Coucou. Bon, écoutez, en ce moment, mes guides veulent pas qu'on se quitte, hein, voilà. Donc, je vais changer la couleur de la boubou. On va se mettre en vieux, en bleu. On s'est jamais mis en bleu, c'est classe. Tirage sentimental, voilà, à deux choix. Tirage sentimental à deux choix, voilà. Je vous laisse choisir entre mon premier petit pendule, qui est en améthyste. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous le montrer. Vous respirez, vous vous recentrez. Est-ce que ce tout petit pendule-là vous plaît ou pas? Voilà, petit pendule en améthyste. Et j'en ai un autre un peu plus gros en quartz rose. Très joli pendule aussi. Enfin, c'est mes pendules, donc forcément je les kiffe, hein. Voilà. Je vous laisse faire vos choix. Je vais tirer les cartes et avec deux tarots. Voilà. Si les tarots, ça vous oriente aussi. Et puis après, je vous fais le tirage. Je vous retrouve tout de suite. Bisous. Salut les petits loulous, j'ai fini les tirages, c'était super long. Je ne suis pas prête d'être couchette pour ceux qui ont choisi l'améthyste, donc au niveau de tirage sentimental. On est parti. Donc vous, je vous ai pris le Rider-Waite. Et on va aller voir et découvrir tout de suite ce que nous dit le Rider-Waite. Allez, hop. On est parti. D'accord. Alors, attendons. Comment elle était tombée à l'endroit. Bon, vous savez quoi? On va toutes les prendre à l'endroit parce que Non, attends. Elle était à l'envers. Elle était comme ça. Elle était à l'endroit. Elle était à l'endroit. Parce qu'il y en a que j'ai vu, il y en a que j'ai pas vu. Voilà. Et celle-là, elle devait être à l'envers, je pense. Donc. Waouh, c'est cool. On nous parle de cap de bâton. Donc on nous parle de célébrer nos idées, de célébrer enfin, c'est quand même un mariage hein, là, hein, qui est annoncé sur cette carte. Hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. On nous parle d'une justice divine qui tombe, hein, d'accord, au niveau de l'amour. On nous dit que vous allez sortir des illusions au niveau de l'amour aussi. Là, c'est clairement au niveau de l'amour, les coupes, hein, voilà. On nous parle d'une situation, d'une personne qui est peut-être encore pendue, qui est peut-être encore bloquée. Vous étiez bloqué dans une situation où vous êtes éclairé, vous avez fait la lumière sur cette relation. D'accord? On dit qu'il y a un cavalier de coupe qui arrive vers vous pour vous tendre cette coupe d'amour. Hein, ok? Et que ça va être la joie, les célébrations. Ouais, ça va être pompé d'up. Hein. Ouais. Là, je sens des gens qui vont être heureux. Donc, le 10 de coupe, c'est l'accomplissement parce que c'est vraiment être stable dans ses émotions, dans ses sentiments et entouré de sa famille. C'est vraiment la stabilité. J'ai pris l'oracle des miroirs et j'ai pris deux jeux différents pour vous et les autres. Donc, on a plusieurs cartes qui sont tombées. On a d'abord la maison. Non, elles sont tombées dans ce sens-là. On nous dit que c'est une situation qui a demandé beaucoup de travail, que vous en avez fini avec les projections limitantes, les schémas de pensée limitants, les projections limitantes, vous en avez fini, vous arrêtez tout ça, vous avez laissé tout ça derrière. Vous vous êtes reconnecté à vos amis, à votre famille, à des choses qui vous aient vibré. On vous dit que vous avez bougé, vous êtes allé voir ailleurs ce qui se passait, dans le sens où aller voir de nouvelles idées, aller voir de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses. On vous dit que vous avez un homme, vous avez une grande victoire sur un homme. Il y a un homme qui arrive à vous, vous avez une grande victoire sur lui. Au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison. On a la maison qui tombe en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, c'est fou, on a exactement le même nombre de cartes. Incroyable. Putain, pardon, excusez-moi. J'ai dit des gros mots, mais c'est quand même incroyable, quoi. Parce que je vous assure que j'ai pas calculé. Hein. J'ai fait comme je fais d'hab, quoi. Les cartes, elles tombent, quoi. Ok, bon, bah voilà. Ça nous a demandé beaucoup de travail pour arriver à une union, quelque chose qui nous a pris beaucoup de place dans notre tête. Aujourd'hui, il y a une justice qui tombe. Vous arrêtez de projeter tout ça dans votre tête. Vous sortez des illusions, vous vous recentrez sur le soleil, les personnes fidèles et les amitiés. Vous bougez d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Vous décidez de bouger. Ça va acter un homme qui va venir vers vous, un homme qui va avancer vers vous, un homme avec sa coupe dans la main qui arrive vers vous tranquillement. Vous avez la victoire sur cet homme-là, un équilibre au niveau de la famille. Putain, c'est chouette, hein? Vous avez eu l'améthyste love. Ouais, donc sur le travail, on a dépassé une tour hein, quand même. Hein.
Vous avez une tour, hein, vous avez une tour, ça vous a pris beaucoup de place dans votre tête. Hein. On vous dit que la justice tombe par rapport à un amour véritable, un amour inconditionnel qui arrive à vous. On vous dit que vous êtes sorti de vos illusions, vous avez été très blessé au niveau du cœur, vous avez dépassé ces blessures, vous avez travaillé dessus et c'est vous reconcentrer sur votre famille, vos amis qui vous a aidé à tout ça. On vous parle d'amour d'envoûtant et passionnant. Dans une situation qui était bloquée, d'accord? Et on vous parle d'un cavalier de coupe qui vient à vous après une rupture, après une fin avec cette personne. Il y a eu une fin avec un homme, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et on vous dit, alors là j'ai deux cas, on vous dit cette chose devait terminer pour acter une victoire avec un autre homme, voilà, qui regarde dans une autre direction. Cet homme regarde vers le futur, si vous voulez. Il regarde la construction pour quelque chose de stable. Pour les personnes qui sont célibataires, qui ont une rupture, qui ce n'était pas un lien d'âme, on vous dit que vous allez vers... Il y a ce roi de coupe qui arrive vers vous, doucement mais sûrement, et vous allez vers des coupes, vers un équilibre pour la famille. Pour certaines personnes, on vous dit que vous avez eu besoin de guérir vos blessures et que suite à une rupture, vous avez la victoire vers cet homme qui lui regarde vers le passé, en fait. Toutes les blessures. Et pour moi, c'est un homme, c'est une victoire vers un homme du passé avec lequel vous avez une stabilité pour la maison. Dans tous les cas, vous allez vers votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié et on vous dit un grand oui. On valide. Voici la réponse à ta question, mais on valide aussi que oui, c'est votre âme sœur. Pour certains, vous en doutez. Vous posez la question si vous êtes dans un lien d'âme. On vous dit que oui. Pour d'autres personnes, vous demandez si elle est restée célibataire longtemps. On vous dit que non, que oui, cette personne arrive bien. Donc, vous n'avez pas resté célibataire longtemps. Cette personne arrive bien vers vous. Voilà ce que je ressens. J'ai pris le 18... Waouh ! Une fois que vous avez dépassé cette tour, vous allez vers une union, vers un engagement. Bon, ben, on a le mariage, hein, que dire de plus ? On va vers un renouveau, une renaissance, un enfant. Peut-être allez-vous avoir un enfant. Peut-être c'est vraiment votre enfant intérieur qui s'exprime et qui renaît. On vous parle suite à des blessures qu'il va y avoir des communications. On vous dit que vous allez parler. On vous parle de la stabilité, de la maison, d'accord ? Encore une fois, cette magie, l'amour envoûtant pour la maison, ça va ramener la stabilité avec un homme. D'accord ? Vous avez un homme. Séparation, encore une fois, on a un homme dessus. On vous parle du soleil et on vous parle d'intuition. Que vous soyez célibataire ou en couple, dans ce groupe, qu'on va être au clair, vous avez eu des épreuves, vous avez dépassé vos épreuves, il y a une justice divine qui est tombée, vous avez réussi à transcender ces blessures, vous ne portez plus de masque, vous n'êtes plus, vous avez fait tomber le voile des illusions au niveau de vos émotions, vous êtes clair alors aujourd'hui sur ce que vous voulez, aller vers une nouvelle relation, le retour de mon lien d'âme. Vous n'allez plus être pendu dans une situation à partir du moment où vous actez de sortir de ces illusions. Soit oui, c'est une rupture définitive et dans ce cas-là, c'est un nouvel homme qui arrive, c'est un cavalier de coupe, il arrive vers vous tranquillement mais sûrement pour quelque chose de très stable. 10 de coupe, c'est magnifique, c'est une carte magnifique de stabilité, de famille, d'équilibre émotionnel, c'est les choses qui sont fluides, c'est vraiment parfait quoi. Et là, pour d'autres personnes qui sont en rupture et qui attendent un autre qui est de la personne de leur cœur, qui est votre autre, on vous dit que cet homme, vous êtes en train de retrouver votre équilibre dans vos deux polarités. On vous dit que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est un lien réellement d'âme. Et on vous dit que cet homme du passé va revenir pour quelque chose de stable. Que oui, c'est une certitude. Ok. J'ai tiré au niveau des flammes jumelles. Alors là, j'ai qu'un jeu, donc j'ai tiré pour les deux. On vous demande de rester patient par rapport à ce lien. On vous dit de garder la joie. Oh, tu vois. On vous dit de rester patient. On vous dit de garder la joie par rapport à la foi, par rapport à ce lien. Bon, et la joie, de garder votre joie intérieure, parce que si je le dis, c'est pas pour rien. On vous dit que pour l'instant, vous ne voyez pas que les choses sont en train de changer, que les choses sont en train de bouger. Il y a peut-être encore un peu de colère de la part de votre autre, ou peut-être que cette histoire vous met en colère, mais là, vous sortez de ces énergies-là pour moi, réellement. Et en d'autres decks, on avait les synchronicités. Pour les deux groupes, on avait les synchronicités. Là. Je ne vous ai pas montré les autres d'autres decks. Alors vous, les autres d'autres decks, pour le Rider-Waite, vous avez le cavalier d'épée. Vous avez un homme qui arrive au grand galop pour aller défendre ses idées vers vous, en fait. Voilà, on va être au clair. C'est exactement ça, le cavalier d'épée. En d'autres decks, ici, vous avez la santé, l'équilibre, la fécondité derrière et l'ouverture après une distance. Vous voyez comme c'est magnifique. Vous avez des très belles cartes. Alors, je ne les ai pas regardées. Hein. Je les ai mis de côté avec les dos de deck. Et je découvre avec vous et j'hallucine sur votre tirage, quoi, quand même. C'est un truc de fou, les loulous. C'est un truc de fou.
Et là, on a un choix. Vous voyez, vous allez faire un choix. Vous allez décider de ne plus être pendu, en fait. On vous dit que vous allez dans une relation stable qui dure dans le temps. Vous avez l'élévation spirituelle, l'élévation dans une relation et le happy end. Ouais, franchement, pompez d'up, quoi. Je comprends pourquoi mes guides m'ont amené à tirer ça. Il y a des personnes qui sont en train de perdre confiance. On dit de ne pas perdre confiance. Il ne faut pas perdre confiance, il faut garder la foi. C'est pour moi ces cartes les plus importantes, garder la foi réellement. On vous parle d'oiseaux, de communication. On vous dit que vous allez trancher dans une situation. Il y a une personne qui va trancher aussi, qui va décider d'être fidèle, fidèle à lui, fidèle à son cœur. Que ça va être la fin des nuages. Là, tout ça va partir. C'est un cavalier, encore une fois. Il arrive vers vous. Il arrive vers vous tranquillement, mais sûrement. Vous allez vous reconnecter à votre cœur. Ouais. Pour les célibataires, vous tranchez. Vous arrêtez d'être... Vous arrêtez de vous prendre la tête avec le célibat, en fait, et vous avancez dans vos idées, vous avancez en confiance et vous vibrez le soleil, vous vibrez des bonnes énergies, vous gardez la foi qu'il y a quelqu'un qui est fait pour vous et vous ne voyez pas que les choses changent dans l'ombre, mais les choses changent. Il y a bien un homme, hein, les choses changent, et j'ai dit les choses chambrent. Hein. Ça craint quand même. Hein. Ça va être caliente, hein, du coup, là, moi, je vous le dis. Hein. Et du coup, il y a bien un homme, une personne qui arrive chez vous. Ah bah dis donc, non, mais j'accroche tous mes mots, c'est incroyable. On vous parle encore une fois de choix. On a le choix et on a le choix. Souvenez-vous que la discussion finale, la décision finale vous appartient. Pour des retours du passé, la décision finale vous appartient. Et au fond de votre cœur, vous savez ce que c'est. Il y a une justice divine. Si cette personne vous correspond ou pas, pour certains, ne vous correspond pas, vous allez vers un âme sœur, vous allez vers une relation, une belle relation saine et stable. Et vous le savez au fond de votre cœur. Pour d'autres personnes, cette personne, c'est votre autre. Et quand elle reviendra, vous savez aussi que c'est quand elle sera équilibrée. Et que ça met beaucoup de temps parce qu'elle a beaucoup de blessures à guérir. Bah, à rigueur, on a la réparation. Dès que vous transformez, vous réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Vous êtes en train de guérir toutes ces choses-là et vous êtes en train de réparer toutes ces choses-là. Vous et votre autre est en train de les réparer aussi. D'où le fait que ça prenne du temps et qu'il faut rester patient. Au niveau des petites fées, on vous parle d'attendre l'hiver et on a attendre l'hiver et qui tombe à l'envers. Effectivement, nous ne sommes bientôt plus dans l'hiver. Donc, à la fin de l'hiver, pour moi, les choses vont bouger, les énergies vont bouger. On vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé par les guides. On vous dit de ne pas vous en faire, de ne pas vous inquiéter. Il y a des personnes qui étaient dans des liens d'âme qui avaient vraiment besoin d'être rassurées. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont poussé à faire ce tirage. On vous parle de compassion, de mystère divin et de chemin du milieu. La compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Donc, soyez compatissant envers vous. Pour ceux qui se sont trompés dans un lien, de toute façon, vous allez vers quelque chose de merveilleux avec un cavalier de coupe, avec un homme, un âme sœur, une relation d'âme. Vous allez être intuitif par rapport à ça. Vous savez que Dieu, que les anges, que l'univers vous amènera quelque chose qui vous correspond, qui vous fait vibrer. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, c'est un timing divin. Il arrive, il faut absolument vous libérer, faire un choix et acter de ne plus attendre et d'être en paix, en fait. Voilà. On vous parle du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre. On a le soleil encore une fois là. La terre, la lune. Et d'ailleurs, attendez. Il me semble avoir vu un autre deck. C'est un des rares autres decks que j'ai vu en les posant. Je crois que c'est vous qui aviez les étoiles. Ah non, non, je l'ai mis là le autre deck. Non, ça doit être le... J'ai vu les étoiles passer un moment. Donc bref, aligne-toi avec la terre, le soleil, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre le meilleur de la création. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Tendez à l'équilibre, à quelque chose de paisible pour vous. En d'autres decks, des petites fées, nous avions la pureté. Voilà, vous allez être aussi dans des énergies qui vont être beaucoup plus pures. Et pour les portes de l'intuition, on avait la non-résistance. En acceptant vos responsabilités des choses, la solution émerge. Soyez dans la non-résistance et regardez les signes de vos petits guides. Voilà, bon, écoutez, c'est une petite vidéo, mais qui m'a pris du temps parce que du coup, je vais encore faire l'autre derrière. Je vais quand même prendre un petit ange, voir quel est l'ange qui vous suit. À tous mes êtres de lumière, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok.
Donc, on a l'ange de l'univers, juste l'ange de l'univers et l'ange de la musique. On vous dit de revibrer la joie, c'est pour ça que j'entendais la joie. Écoutez de la musique, vibrez de la joie, recentrez-vous sur votre joie, sur votre paix intérieure, votre enfant intérieur, partagez avec des amis, de la famille. Recentrez-vous sur vous, vos passions. Vous avez tout l'univers qui œuvre pour cette relation et qui œuvre pour une relation dans l'ombre, qu'elle soit lien d'âme ou qu'elle soit célibataire. Vous avez une personne qui vient vers vous, c'est divin, ça arrive. Au fond de vous, vous le savez, vous le percevez, vous le reconnaissez, donc ne vous en inquiétez pas. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Ben écoutez les petits loups, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Les guides avaient encore, ils ont plein de messages en ce moment, voilà, donc moi je fais des heures sup. Hein. Je vous embrasse fort, ça m'a fait plaisir vraiment de vous faire ce tirage, c'est un tirage qui est magnifique. Dans tous les cas, vous allez vers un lien d'âme et vers l'amour, c'est... J'hallucine de votre tirage. J'espère pour les autres qu'il sera aussi beau que ça. J'ai franchement, à part le pendu, que pour moi là c'est un avertissement, il ne faut plus être dans le pendu, mais le pendu, elle est. Certes, vous êtes pendu par les pieds, mais vous sortez du voile des illusions et il y a la justice divine qui tombe. On a l'union, le cavalier de coupe qui arrive et le pendu, n'oubliez pas qu'il est éclairé. D'accord? Il est serein et éclairé ce pendu. Donc c'est le pendu dans la version positive. Je me dépouille de tout ce qui ne me convient plus et j'avance vers ma vérité. En amour, c'est ça. Et votre vérité, c'est de bouger vers des énergies plus positives, de joie, mais tout en gardant la foi. D'accord? Je vous embrasse fort. Prenez tous soin de vous. Je vais ouvrir à Chacha et après, je vais ranger mes cartes et faire le deuxième groupe et je vous mettrai la minuterie. Promis les loulous, je vous embrasse fort, 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 fort. Prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si ce tirage vous a plu, à liker, à partager. Et dans tous les cas, j'ai été ravie de pouvoir vous amener des messages. Si vous avez regardé ce message, même si vous n'êtes pas abonné, si vous ne vous abonnez pas, c'est qu'il était fait pour vous. S'il vous fait vibrer, c'est qu'il était fait pour vous et s'il vous parle. Donc, c'est top. J'ai pu vous amener un message. Et je vous embrasse tous. Je vous aime tous fort. Je vous laisse. Bye bye. Salut les petits loulous, on choisit le deuxième groupe, donc le quartz rose. Voilà, je vous mettrai la minuterie, oui, je ferai tout ça bien. Je ne sais pas le renvoyer à un lien d'un endroit de la vidéo, mais au moins vous aurez le temps, ce sera plus simple. Voilà, je vous montre tout ce que j'ai choisi comme oracle pour vous. Voilà, je n'ai pas pris les mêmes que l'autre groupe, comme ça on a des dos decks, on a des messages plus personnalisés. On est parti. Donc, en première énergie, on a un 8 de coupe. Partir. Partir, laisser les coupes et les sentiments derrière et partir, aller explorer ses propres sentiments. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous correspond? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? On a la tempérance à l'envers. Vous avez un peu du mal à équilibrer vos énergies de feu et d'eau. Vous êtes un peu pas stable émotionnellement. Alors, vous avez besoin de partir dans votre fort intérieur, de trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer pour aller vers cette énergie de reine de coupe. La reine de coupe, elle, est stable. Vous voyez? Vous allez vers ces énergies-là. Vous êtes peut-être déjà sorti de là, vous êtes peut-être déjà dans ce chemin pour aller vraiment vers cette reine de coupe qui est stable, qui sait où elle est, qui est stable dans ses émotions, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle est, qui sait comment elle va en fait, où elle va. Vous allez faire peau neuve réellement. On vous parle d'un 7 de pentacle. Au niveau le 7 de pentacle, c'est attendre. Attendre les fruits de son dur labeur, en fait. Voilà, donc là, on attend. C'est long quand on attend qu'une fleur sur un cactus pousse, ça met trois plombes. On dit que vous allez vers un as de coupe. Vous allez vers un nouveau départ au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau sentimental. Là, vous allez vers un as de coupe, le 1, le nouveau, le redépart. Vous allez être très intuitif par rapport à ça. C'est une renaissance, un changement de peau. Vous changez de peau, c'est la renaissance pour moi. Vraiment, vous allez renaître, quoi, hein, clairement. Hein. Alors, on va essayer de se faire de la place. Je ne sais pas. Alors, pour l'autre groupe, il y a exactement le même nombre de cartes qui est tombé. C'était quand même assez hallucinant. Donc, vous, je ne sais pas du tout combien de cartes ils vous auront fait tomber. Ok. On vous dit que vous avez peut-être été jaloux ou qu'il y a eu des jalousies. Il y a eu des serpents. Il y a beaucoup de serpents dans votre tirage. Donc, des serpents positifs, des serpents qui équilibrent des énergies de Kundalini. Vous avez des serpents de renaissance, faire peau neuve. Et là, vous avez des serpents qui parlent aussi, qui jalousent. Vous avez peut-être été dans ces énergies-là, vous éloignez de ces énergies-là, ne vous correspondent plus.
On vous dit que vous allez évoluer sur cette tempérance, vous allez apprendre à tempérer, vous allez apprendre à être plus calme. On vous dit que vous avez eu des trahisons, vous avez été trahi et que là vous en avez marre, vous avez envie de laisser tout ça derrière. Vous voulez faire un point sur qu'est-ce qui vibre pour vous en amour réellement et vers quoi je veux aller en fait. Voilà, et vous y allez vers cette reine de coupe, vers cette stabilité. On vous parle de l'hérédité. À l'envers, ça a bloqué un peu votre abondance, ça a bloqué un peu votre famille, ça a bloqué un peu votre développement. Vous voyez ce que je veux dire? On vous parle de victoire. Il y a peut-être une victoire avec un homme qui était bloqué. Il y a une victoire avec un homme qui a été bloqué. On va aller voir après ce que nous disent les cartes. Mais on vous parle quand même d'une naissance. On vous parle de renaître de ses cendres. Vous allez vraiment renaître pour aller vers un as de coupe. Vous allez vers l'amour. Vous renaissez. Il y a un amour qui va renaître là. Ouais, c'est l'amour qui va renaître dans votre vie, quoi. Réellement, pour vous, pour ce groupe, c'est assez. Ouais, on vous parle de la stabilité. Il y a eu des jalousies au niveau d'une maison. Il y a eu vous avez besoin de faire le point, de partir. Vous avez surmonté une tour, des épreuves. Il y a quelque chose qui est venu casser votre schéma familial ici. Vous avez vraiment eu des trahisons. Mais vous êtes plus dans la régression. Vous voyez, elle tombe à l'envers. Vous êtes plus dans la régression. Vous êtes vraiment dans une élévation. Vous êtes senti piégé, vous êtes senti trahi. Il y a eu des énergies très compliquées là. Vous avez été dans l'illusion par rapport à une personne, par rapport à un homme. Vous pensiez avoir la victoire dessus. On dit que vous étiez dans l'illusion. Ou par rapport à une femme, si vous êtes un homme. Voilà. Ou si vous êtes une femme, on vous confirme que ça vient bien de vous en fait. On vous dit que vous allez mettre à terre tous ces serpents, toutes ces énergies négatives, vous allez les mettre à terre. Je suis désolée, ma lumière ne fonctionne plus, mais. J'avais pas prévu de faire ces tirages derrière, peu importe. On vous dit que vous allez mettre à terre ces serpents, d'accord? On vous dit que c'est un long chemin de croix. Ça a été un peu comme porter votre croix, vous voyez? Vous avez porté votre croix. Pour certains, vous êtes dans un lien d'âme. Vous avez porté votre croix. Vous avez été trahi pour une personne. Vous avez été dans l'illusion. Vous êtes senti piégé, vous êtes senti régressé, vous êtes senti à terre et là, vous vous relevez. Vous vous relevez, vous allez vers une renaissance, vous allez vers une reine de coupe, d'accord? Vous apprenez à tempérer, vous apprenez. Parce que la tempérance, à l'inverse, quand on n'arrive pas à mesurer, à être tempérant. Mais le 7 de denier, on est bien obligé, c'est attendre de récolter ses fruits. Donc à un moment, on est obligé d'être patient, d'être tempéré, de tempérer, de se dire, bon, ben voilà, on a fait pousser une graine, faut qu'elle pousse, voilà. Et entre deux, vous avez quand même cette reine de coupe qui est stable. Et ce serpent, ces énergies de Kundalini au milieu, et ces énergies voilà, ces deux serpents pile poil équilibrés. Donc pour moi, vous êtes en train vous êtes sur votre chemin intérieur pour aller vers l'amour et pour aller à un as de coupe et pour un renouveau, une renaissance après des épreuves, après des choses que vous avez laissées mourir, peut-être au niveau de la famille, au niveau d'une relation, peut-être avec un homme, pour aller vers une renaissance et aller vers l'amour. Là, les cartes ne nous disent pas si c'est votre autre ou si c'est une autre personne. Je pense que c'est un choix personnel à vous. C'est une introspection que vous allez faire. C'est un lien d'âme, vous allez le sentir, vous allez être intuitif. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière sur des sacrifices que vous avez faits. Vous voyez? Vous avez fait des sacrifices. Vous allez faire la lumière sur une rupture aussi, sur une séparation. Vous allez faire la lumière sur une triangulaire, sur des énergies. Alors, ça peut être réellement une triangulaire, hein. Voilà, une histoire de tromperie au sein de votre famille. C'est vraiment ça qui a été une tour, qui a été quelque chose qui vous a bloqué, vous voyez, voilà, ça a été votre épreuve de vie en fait. Pour d'autres, ça va être vraiment des énergies tierces qui ont bloqué une personne à faire un pas. Vous voyez ce que je veux dire? On vous parle de chance. On vous dit que vous avez la chance. Vous avez la chance de retrouver l'équilibre en fait. De retrouver l'équilibre après une période de solitude. Voilà. Pour certaines personnes, vous avez été dans des liens où vous avez été très sacrificiel et où vous avez été. Voilà, il y a eu des ruptures parce qu'il y a eu. Vous avez été trompé, vous avez été trahi, vous avez été blessé, ça a été un chemin de croix. Et là, vous mettez un peu tout en pause pour vous recentrer vers vous, vers votre fort intérieur. Et vous allez vers un as de coupe et une renaissance. Donc, ça, c'est plutôt très positif pour vous. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck pour vous? Parce que ça va peut-être m'éclairer un peu. Waouh, ouais. Ah ouais, en dos de deck, on a le dos de coupe hein, quand même. Hein. Donc le dos de coupe, c'est quand même le lien. Tiens, je vais vous le mettre là, il est magnifique. Le dos de coupe, c'est un lien stable,
un lien stable et posé et équilibré dans l'amour avec une personne. Vous allez vraiment vers ça, quoi. Enfin, c'est ce qui arrive à vous, là. Hein. De toute façon, c'est clair. Hein. Vous allez, il faut peut-être, voilà, il faut peut-être arrêter de vous, il faut peut-être arrêter de vous protéger, là. Soit vous, vous arrêtez de vous protéger, soit un homme avec qui c'était bloqué, ou une femme hein, avec qui c'était bloqué, ou vous pensiez être dans l'illusion d'avoir été trahi, arrête de se protéger et revient vers vous. Mais moi, je sens que c'est plus vous qui devez arrêter de vous protéger pour avancer. Voilà, il faut vous ouvrir à l'amour dans ce groupe-là, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile, bah oui, c'est vous. Ouais. Vous avez l'étoile, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez l'étoile, vous avez des signes de vos petits anges. Donc n'hésitez pas à les écouter et n'hésitez pas à regarder les heures miroirs, à regarder les synchronicités, ouais, par rapport à un homme, par rapport à un secret, par rapport à des secrets, par rapport à une femme. Alors on a l'homme, la femme et les secrets. Hein. On a eu des secrets entre un homme et une femme, hein, on est d'accord. Vous avez besoin de vous reconnecter aussi, vous, à vos amis. Vous avez besoin de sortir de l'illusion et de faire un choix, de décider de sortir de cette illusion avec une personne. De garder la confiance, vous allez retrouver la confiance, la sérénité. C'est une période d'introspection que vous faites. Ouais, c'est exactement ça. Une période d'introspection que vous faites. Les cartes sont très. Ouais. Les cartes sont très parlantes. Donc, je vous avais pris le Line of Love, à vous, le Mao, l'oracle des miroirs, mais un autre que ceux du premier groupe. Comme ça, vous aviez vraiment chacun vos cartes. Et le Luminataro. Et qu'est-ce qu'on a là? Donc, au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. Ouais, c'est ça. On a un avancement qui était bloqué à cause de choses cachées. Ouais, non. Alors, c'est moi qui me plante. Voilà. C'est ça. On a un avancement. On a un avancement dans cette situation, mais pour l'instant, c'était un peu bloqué. Le fait de faire cette introspection vous aide à avancer, en fait. Vous aide à avancer vers votre lumière. Vous avancez par rapport à des choses qui étaient cachées. Peut-être tout simplement que vous lâchez prise par rapport à ces choses qui étaient cachées. On vous demande justement d'être dans le lâcher prise, de lâcher prise sur une situation, sur un homme, sur des choses que vous pensiez cachées, sur des réponses que vous n'avez pas. Il faut que vous lâchiez prise. Les réponses arriveront forcément un jour ou l'autre. Parce que là, ça bloque cette évolution qui arrive. Là, je sens dans ce groupe qu'il faut vraiment que vous sortiez d'énergie négative du passé. Soit vous êtes célibataire, vous avez eu des trahisons, vous n'arrivez plus à ouvrir votre cœur à l'amour. Pour autant, vous en voulez de cet amour, mais vous n'arrivez pas à atteindre cette renaissance. Et pourtant, on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit que vous allez vers cette renaissance. Il faut arrêter de vous protéger et vous ouvrir un petit peu, quoi, voyez. Vous n'aurez pas forcément la clé de cette serrure tout de suite. Vous l'aurez en lâchant prise, en fait. En lâchant prise, vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Est-ce que vous avez été trompé? Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que cet homme était pour vous? S'il était pour vous, il reviendra. S'il n'était pas pour vous, bah, c'est que ce n'était pas le bon. Mais ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, il y en a un qui arrivera vers vous. D'accord? Là, vous avez quand même des belles cartes hein, pour un tirage sentimental. Hein. On vous dit la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il faut apprendre à vous aimer, à vous remettre au centre et à vous aimer vous en premier. C'est ça qui est important. Et vous aurez le tri. En fait, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On est encore dans le cœur. On est dans l'avancement. D'accord? Mais il faut vraiment vous reconnecter à vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà, il faut faire ce chemin un petit peu. On vous dit la sagesse de l'arbre, on vous parle d'ancrage et on vous parle de perdu trouvé. Donc, ça peut revenir à un ex qui revient vers vous, en fait. Voilà. Et là, à vous de savoir si vous le reprenez ou pas. Pour certains, vous ne le reprendrez pas. Ce sera next et no way et vous irez vers un nouvel amour et un très bel amour. Qu'on soit bien d'accord. Pour d'autres personnes, on vous dit perdu de trouver, vous retournerez vers cette personne et ce sera la bonne. Parce qu'il y aura fallu le temps de changer. Mais pour l'instant, la victoire avec cette personne est bloquée. Mais vous allez quand même vers l'amour et une renaissance. Une très belle carte d'amour. Hein. Vous avez un dos de coupe et vous avez l'amour. Hein. Ces cartes sont magnifiques. Hein. On vous parle d'ancrage, on vous parle de vous reconnecter à la musique, à la nature, à ce qui vous fait réellement vibrer au plus profond de vous-même. C'est ça qui va être la clé. Je vais aller compléter pour vous. Je vais aller compléter avant les petits anges pour vous. Et tiens, on va prendre l'oracle d'Annabella. Pour moi, il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de blessures hein, dans ce groupe. Vous avez vraiment dépassé des trucs compliqués. Mais vous allez vers le bonheur, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme message? Ouais.
Alors pour certains, il y a réellement eu des trahisons, vous avez dépassé tout ça, du coup vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à vous ouvrir, vous mettez un bouclier et pourtant on vous dit qu'il faut vous ouvrir à l'amour, qu'il faut renaître vous de vos cendres, vous aimer convenablement, que changer de peau comme un serpent qui change de peau et que vous allez aller vers une renaissance pour aller vers une relation stable et que vous êtes guidé dans ce chemin-là, que tout ce que vous avez vécu avant et toutes ces trahisons et toutes ces blessures étaient nécessaires pour aller vers un amour vrai et sincère qui vous correspond. Pour d'autres personnes, vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes un peu perdu, vous avez énormément de trahisons, de blessures autres. Il y a eu des tierces, il y a eu des choses cachées. Vous posez beaucoup de questions sur quelque chose qui est caché. On vous dit que il faut on vous dit que cette personne, ça pourrait être votre grand amour. Si c'est votre lien d'âme, si vous le savez, il faut arrêter de vous protéger de lui. Il faut être honnête et laisser rentrer cet homme dans votre vie pour acter une renaissance et un amour. Si vous êtes dans un lien d'âme, vous, la femme, il faut que vous laissiez rentrer cet homme. Voilà. La femme ou l'énergie féminine. On est bien d'accord, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Voilà. On vous demande de vous ancrer, d'être un petit peu plus ancré. Et on vous demande on vous demande de faire un choix. On vous dit que vous allez retrouver quelque chose que vous allez avoir perdu. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? Oui, ben voilà, on nous parle d'une personne loyale. On nous parle d'une personne loyale, d'une personne de cœur, une personne qui sera prête à prendre les armes pour vous, une personne qui vous aime, voilà, réellement et sincèrement. C'est ça qui arrive à vous. C'est cette personne. Mais là, ça tourne trop pour vous dans votre tête, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Voilà. Tant pour les célibataires que pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Vous posez trop de questions, il faut que vous laissiez les choses se faire tranquillement, justement. Ce qui est écrit arrivera et vous inquiétez pas, vous allez vers une belle relation amoureuse. Mais il y a des choses qu'il faut lâcher là, faut vraiment être dans un lâcher-prise, ouais, parce que pour l'instant ça vous fatigue. Ça vous met dans un état énergétique où ça va vous fatiguer. Voilà. On vous dit qu'il n'est pas, il est pas temps besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Vous n'avez pas forcément besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Par contre, vous avez besoin de vous retrouver vous et de sortir de ces énergies de manque et de motivation. Vous comprenez? C'est pas que vous n'êtes pas élevé spirituellement dans ce lien ou quoi que ce soit. C'est juste que vous en perdez votre énergie à être trop dans le mental et vous n'avez pas forcément de travail à faire sur vous si ce n'est revenir à l'intérieur de vous et vous dire qu'est-ce qui me fait vibrer? Pourquoi je suis autant fatiguée et pourquoi j'ai perdu la foi? Il faut vraiment que vous retrouviez la foi ou que vous gardiez la foi dans cette situation. Voilà. Il est peut-être nécessaire de modifier certaines choses et notamment peut-être vos pensées. Faites attention aux pensées, à ce que vous vibrez comme pensée. On vous dit que vous pouvez compter sur une personne et que tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer bientôt pour vous. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont s'éclairer. En d'autres decks, des oracles, on avait la pureté. Vous allez retrouver cette pureté qui vous correspond, votre pureté. On avait les synchronicités aussi. Alors ceux-là, je les ai pris pour les deux groupes. Ça correspond très bien parce que vous avez aussi l'étoile. Donc, ouais, vous êtes aussi dans ces énergies-là. J'avais pris quoi d'autre comme oracle? Ah oui, j'avais pris un petit ange, je pense. Ah oui, il y avait la non-résistance. En acceptant vos responsabilités des choses, la solution émerge. Alors oui, on est responsable, même si on a vécu une trahison, même si ce n'est pas nous qui avons trompé, même si ce n'est pas nous qui avons trahi, même si ce n'est pas nous qui avons été dans une triangulaire, même si ce n'est pas nous qui avons fait de la merde dans un couple, on est responsable. Parce qu'à la base, cette personne, on l'a choisie et surtout parce qu'on a laissé faire. Vous comprenez? Voilà. On a attiré à un moment cette personne à nous en vibrant ces énergies-là. Si on vibre de l'amour inconditionnel et du respect, on attire à nous une personne qui nous aime et qui nous respecte. Et quand on attire ce genre de personne, si ce n'est pas un lien d'âme, mais c'est une personne qui vous a juste fait souffrir, c'est pour attirer une personne comme ça derrière, une personne loyale. C'est pour attirer un couple comme ça derrière. C'est pour attirer l'amour. Et tant que vous n'aurez pas appris à vous aimer correctement et avancer pour vous, eh bien, on vous remettra des personnes pas bien. Mais là, pour moi, dans ce groupe-là, vous avez déjà beaucoup travaillé pour vous. Vous êtes restés, ceux qui sont célibataires, un peu repliés sur vous-même dans votre chemin. Pas que vous n'étiez pas ouvert aux autres, mais voilà, pas ouvert à l'amour.
Par contre, vous avancez pour votre projet et pour votre amour de vous. Et c'est ça qu'il faut faire et qu'il faut continuer pour être cette reine de coupe. Et ensuite, regardez les fruits de votre dur labeur grandir et cet amour arriver vers vous avec cette as de coupe et cette renaissance qui arrive. La naissance, la renaissance et l'amour qui arrive pour vous. Donc ça, c'est fantastique. C'est une grande chance, cette épreuve, parce que ça vous aide à vous surpasser, à vous dépasser pour attirer à vous un amour véritable. Mais il faut sortir un petit peu du mental, là. Il faut arrêter un petit peu de se protéger et commencer à aller vers les gens. Vous comprenez, même si vous êtes dans un lien d'âme, commencez à aller vers les gens parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup, même en amitié, qui pourraient vous apporter des clés par rapport à une relation. Voilà. Vous posez beaucoup trop de questions, vous êtes trop dans le mental. Pour les célibataires, ça va être oui, mais si on me retrompe, oui, mais est-ce que je vais trouver quelqu'un? Oui, mais enfin voilà. Oui, mais je ne trouverai pas comme moi je veux. Oui, mais je suis trop âgée. Oui, mais enfin voilà. Oui, mais il aura des enfants, mais enfin peu importe. Hein, c'est énormément de questions et qui vous bloquent et qui vous paralysent en fait. Dites-vous, oui, je vais trouver la personne qui me correspond parfaitement. Voilà. Pour les personnes qui sont dans des liens d'âme, là, clairement, vous êtes sur votre chemin en train de faire votre introspection, mais il ne faut pas perdre la foi. Il ne faut pas perdre la foi en votre route parce que ça bloque votre avancement. Vous n'êtes pas dans l'illusion. Si vous regardez des vidéos et que vous êtes connecté à votre féminin sacré et que c'est votre flamme jumelle, vous le savez, ce lien, vous ne pouvez pas le couper. Vous le savez, vous le sentez au fond de vous, vous êtes intuitif et vous êtes guidé. Donc, si c'est le cas, ayez confiance, soyez dans la foi, mais avancez pour vous. Et vous verrez que cette personne, vous allez avoir la victoire et qu'elle va faire un pas vers vous. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Parce que vous êtes encore trop dans les énergies du passé, dans les énergies négatives. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange du ciel nocturne. Ouais, ben on nous parle encore d'intuition. On nous parle d'être guidé et on nous parle encore d'intuition. On nous dit de regarder la lune, on nous dit de faire des demandes à la lune aussi. Enfin, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous n'en faites pas. Et on nous dit qu'on est guidé. On a l'ange de la décision. À un moment, il va falloir que vous preniez une décision. Il va falloir acter une décision. Bah, vous aussi, tiens, les autres aussi, ils l'avaient. Il va falloir acter une décision. C'est-à-dire, est-ce que je reste dans ces énergies? Est-ce que j'avance? J'avance pour moi? J'attends? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous pouvez patienter, mais avancer pour vous. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, je vous le mets là, dans une, là. Et patienter, célibataire ou pas, hein, là, je veux dire, on n'est pas là-dedans. Pour moi, il y a les deux cas. Il y a et des personnes célibataires et des personnes en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les petits anges? Ben voilà, on nous dit de garder confiance. Je vous disais dans un lien, il faut garder confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, faites confiance à vos anges. Si vous êtes dans un lien d'âme, faites confiance à vos hommes. Si vous êtes à vos hommes, voilà, c'est dit, et à vos anges. Si vous êtes célibataire, faites confiance à vos anges. On vous dit que vous allez vers l'amour, mais stable, parfait. Voilà. Mais donc, ouvrez-vous un petit peu, parce que si vous ne vous ouvrez pas aux autres, vous ne risquez pas de rencontrer la bonne personne non plus. Donc, à un moment, il faut aussi s'ouvrir. Voilà, on peut laisser rentrer des amis, et puis on voit ce que ça donne. D'accord? Parce que sinon, vous êtes trop dans un marasme mental, et puis vous avancez pour vous, mais à un moment, c'est bien de faire cette introspection. Mais la reine de coupe, elle est aussi dans l'amour et dans les sentiments. Il faut aller vers cette reine de coupe pour attirer l'as de coupe et le 2 de coupe. On vous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse dissoudre tes peurs. Laisse-le dissoudre tes peurs. Voilà. Vous avez peur d'être trahi encore une fois, hein, pour certains et même pour tous là dans ce tirage. Il y a vraiment des... Il y a beaucoup d'énergie négative qui tourne dans votre tête et ça, il faut vraiment les balayer et vous en libérer. Hein. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure. Bah, tenez, bah, c'est ce que je vous dis. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, donc ne vous protégez pas, ne vous protégez pas et avancez là avec ce 8 de coupe en laissant les sentiments forts et les émotions derrière, mais pour aller chercher ce qui vous fait vibrer de façon équilibrée. Vous voyez? Vous laissez toutes ces anciennes coupes derrière et vous avancez. Et puis, ben voilà, il faut arrêter de vous protéger. Vous ne vous êtes peut-être aussi pas protégé assez avant. Ok. Bon, ben dis donc, hein, c'est pas mal, hein, ces tirages. Ben, je vais quand même aller voir avec vous aussi, avec le... Ouais. Je vais aller voir avec l'amour divin. Là. Je vais
fait un petit tour d'amour divin, je crois, pour les autres. Je ne sais pas si je leur ai tiré d'autres cartes. Vous dites pas, faut pas qu'ils soient jaloux. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Ouais, c'est ça. Hein. Regardez, on a la douleur qui ressort. Hein. Ouais. Vous allez, alors, vous avez dépassé une tour, vous avez la douleur, mais vous allez la comprendre, cette douleur. D'accord? Vous allez être dans la compréhension des choses. Ça va vous aider à avancer, là. Parce que c'est encore très bloqué. Hein. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages au niveau sentimental? Ouais. Encore une fois, on a la confiance. Hein. Il faut que vous gardiez vraiment confiance. Hein. Ouais. On a la confiance. Il y a des choses qui sont secrètes. Il y a des choses qui ne sont pas dites encore. Mais des secrets, ce n'est pas forcément négatif. Hein. D'accord? Ce n'est pas parce qu'une personne ne vous parle pas qu'elle ne vous aime pas, par exemple. Ouais. La complétude. Vous avez trouvé la complétude après avoir réglé vos problèmes de karma. Là. Il y a vraiment des problèmes de karma à régler. Hein. Et vous avez encore les synchronicités. Ouais, vraiment. Et la quête. C'est une quête spirituelle. C'est ce que je vous dis hein, depuis tout à l'heure. Hein. C'est une quête spirituelle. Ouais. C'est vraiment ça. Il faut nettoyer du karma. Là. Enfin, il faut ou pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis les messages des guides. Il faut nettoyer des mémoires karmiques, des choses qui ne vous conviennent plus. Là. Et faire un retour à vous, avancer vers la confiance. On vous dit que vous allez être dans votre complétude, d'accord? Quand vous serez dans votre complétude totale, c'est là que vous allez renaître et attirer ce dos de coupe, cette personne loyale et cet amour véritable. On vous dit que vous avez des synchronicités pour ça, qu'il faut croire et qu'il faut écouter les synchronicités. Et on vous dit que c'est une quête d'amour, une quête de cœur en fait, d'accord? Et en d'autres decks, on a le rêve. Vous êtes peut-être, vous faites sûrement des rêves intuitifs. Vous allez vers l'amour inconditionnel. Pour l'instant, vous êtes dans l'attente, d'accord? Voilà, il y a des énergies encore, il y a des énergies négatives encore, peut-être autour de votre trône si vous êtes en relation triangulaire. Et si vous êtes célibataire, vous avez peut-être encore des énergies négatives autour de vous. Vous avez besoin d'équilibrer vos polarités. Et voilà, et de prier. Donc, continuez à prier et à être dans la gratitude et vous verrez, de toute façon, tout avance pour vous et tout œuvre pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, tout œuvre pour vous, vous allez vers des très belles cartes. Mais il faut dépasser le passé, c'est le passé. Laissez le passé au passé, que ce soit relation d'âme ou relation célibataire, laissez le passé au passé, qu'est-ce que vous vous fait vibrer et allez vers votre complétude, nettoyez les anciens schémas karmiques, les mémoires karmiques et avancez pour vous. Voilà, mais je vous fais des gros gros bisous, mes petits loups. Si vous n'êtes pas abonné, que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager, ça je le dis tout le temps. Même si vous ne vous abonnez pas, que vous n'avez pas envie de vous abonner, et mettez-moi au moins un petit like si la vidéo vous a plu, parce que moi, ça me permet de savoir si je refais ce genre de tirage ou pas, en fait, voilà. Les petits coms sont les bienvenus, ça me fait plaisir, c'est ma petite récompense et j'aime beaucoup. Et voilà, bah écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. C'était pas du tout prévu comme vidéo, donc j'ai plus de lumière, c'est un peu la guerre, mais peu importe, j'espère que ça vous a parlé. Et puis bah moi je vous retrouve pour les énergies de demain, bah demain. Voilà. Je vous embrasse tous fort et puis j'essaye de vous mettre ça en ligne rapidement. Bye bye.